Chou, je t'adore, je reçois ton amour. Chou, je t'adore, je reçois ton amour. Chou, je t'adore, je reçois ton amour. Chou, je t'adore, je crois en ton amour. Chou, je t'adore, je crois en ton amour. Mishrat neish marayu, betor home ibnei adam. Nivzei v'chadal ishim, ish machavot v'yidu aholi. Chaleinu hu nasa. ומחווינו צפנם, ניגס ונענה, ולא יפתח בי, יסה לטווח יבל. הוא היה מחולל מפשנו, מדוכה מאבונותינו, מוסר שלומנו עליו, וברחבתו נרפא לנו. מיר וקדושה, האמנו היא, התפלל יברנו הקטנים שלך, היום ממשת הולדתנו. Et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant, toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis sûr de ton amour. Yeshua, je t'adore. Je reçois ton amour. Yeshua, je t'adore. Je reçois ton amour. Yeshua, je t'adore. Je reçois ton amour. Je t'adore. Je reçois ton amour. Je t'adore. Je reçois ton amour. Yeshua, je t'adore. Je reçois ton amour. Ô Jésus, nous te demandons pardon pour tous nos frères migrants qui ont perdu la vie cette année à Lampedusa ou dans le désert, victimes de nos égoïsmes et de nos indifférences.
Nous te demandons pardon pour les 27 millions d'esclaves, les enfants soldats, nos frères et sœurs qui souffrent violence en Syrie, en Égypte, au Mali. Envoie ton Esprit Saint sur tous ceux qui aujourd'hui ont dans le monde le pouvoir de faire la paix ou la guerre, d'établir la justice, l'amour, la dignité de l'homme. Nous te supplions. Oui.
Et ma sœur, comment se passe le recrutement? Il n'y a pas de recrutement. C'est le Seigneur qui fait le recrutement. Mais c'est vrai que ce n'est pas la communauté qui va chercher des personnes pour qu'elles viennent ici. C'est vraiment... je pense que la communauté reste cachée dans le silence de Dieu et que c'est le Seigneur qui appelle au cœur des personnes qui passent par le monastère et qui donc viennent en toute liberté vers les petites sœurs en parlant de l'appel qu'elles ont pu recevoir dans leur cœur et qui après, avec les petites sœurs, discernent pour savoir si c'est vraiment là que le Seigneur les attend. Mais c'est vrai que c'est vraiment la liberté dans le cœur de chaque petite sœur. Gloire à la Sainte Trinité, consubstantielle, indivisible et vivifiante, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Tant que nous vivons, nous te bénissons, tant que nous existons, nous te glorifions, mon Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur Jésus-Christ, mon bon Sauveur, l'accomplissement de toute bénédiction, et dans ton sein, Seigneur, rassemble-nous.
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène pour y refaire mon âme. Il me garde par la main, par le juste chemin. Pour l'amour de son nom, passerai-je un ravin de ténèbres. Je ne crains aucun mal. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. D'une onction, tu me parfumes la tête et ma coupe déborde. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur en la longueur des jours. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Thank you.
Père qui es aux cieux, sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous aux offenses que nous pardonnons aussi à ceux qui ont offensé. N'laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bénissez-nous, Seigneur, bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé, et procurez du pain et de la joie à ceux qui n'en ont pas. Amen. Tu le lis en hébreu. Tu le lis en hébreu. Que tout le temps. Attends, tu as la Bible d'Alexandre. Je vais prendre le premier. Il faut toujours avoir quand même dans l'esprit que nos frères juifs, ce sont nos racines quand même. Hein. Donc c'est bon de voir qu'est-ce qu'on peut recevoir de nos frères juifs. Hein, et en même temps, essayer d'éclairer en regardant quel est ce message nouveau que Jésus a apporté, puisque c'est là que nous on a posé notre foi. Il y a des petits encadrés avec des paroles des rabbis chassidiques. Par exemple, je vais chercher une que j'ai beaucoup aimé. Aphorisme de Nachman de Bratslav. L'homme doit se perdre dans la prière et oublier totalement sa propre existence. La solitude est une grande vertu. On devrait se réserver une heure chaque jour pour être seul avec Dieu. La solitude en plein air, dans la forêt ou dans le désert est particulièrement importante. L'humilité qui recherche l'approbation est pire que l'arrogance. J'aime bien ça. Mieux vaut un croyant superstitieux qu'un non-croyant rationaliste. Celui qui garde le silence en face de l'injure est un vrai chassid. Je pensais à Jésus. Thank you.
la vie angélique. C'est ainsi que les pères du désert nomment la vie du moine, n'est pas une invitation à la désincarnation. Elle n'est sûrement pas le mépris du corps, créé par Dieu en son amour. Elle n'est pas non plus une sorte de paix morne, sans élan intérieur. Au contraire, la vie angélique, c'est le choix que fait le moine selon la parole du Christ lui-même, de ne prendre ni femme ni mari, mais de se réserver dans l'amour à son Dieu. See you.
On pourrait lui demander combien sont nés là avec tout le froid qu'il y a eu. C'est vraiment la crèche. Hein. Oui, oui. Ah, c'est une... celle-ci, elle a deux. Khadesh, Khadesh, Khadesh et Zrir. Shalesh Hayam, ça veut dire quoi, Shalesh Hayam? Shalesh, c'est trois. J'aime trop mon ça, là. Oui. Oui, mais voilà, c'est ça que je voulais. Voilà, c'est ça que je voulais. Parce qu'en fait, j'aurais préféré qu'ils disent voilà. Dieu en nous. Et alors, c'est méta, ça veut aussi dire. Non, 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 ça serait. Mais non, méta, méta, justement, c'est vraiment côte à côte. Ah oui, mais alors, parce que justement, tout le mystère, quand même, c'est qu'il vient. Mystère, c'est quand même. C'est qu'il vient en nous, quoi. Ouais. Qu'il est plus extérieur à nous. Mais sa présence est avec nous. Oui, avec nous, ouais. Ouais. C'est quand même fou. C'est fou. Ouais. C'est fou. C'est fou. Vous vous rappelez, c'est comme les moines qui habitaient dans les arbres, là. Dendrites. Comment ils appellent ça? C'est pas des troglodytes, c'est des dendrites. Voilà, exactement. La joie, moi je veux bien qu'on parle de la joie. La femme dans les douleurs de l'enfantement. C'est ça, hein. C'est ça. Et elle, en même temps, elle est joyeuse. Oui. Avant le travail, après il y a la joie. C'est quand même. C'est le fruit de la croix, en fait, la joie, mais pour le vivre. L'appel à joie, c'est le fruit de l'offrande sacrificielle de Jésus. Hein. L'amour, c'est la joie de souffrir, c'est de souffrir pour celui que tu aimes. Voilà. C'est le... Oui, c'est ça. C'est, ouais, c'est comme pour la femme qui enfante, elle souffre pour donner la vie. C'est pas souffrir, quoi. Non, c'est pas ça, non plus de masochisme. Non, c'est pas du masochisme. Et dans notre vie, en fait, c'est invisible, parce que finalement, ce travail d'enfantement, il est réel, mais il est... On voit pas l'enfant qui naît, quoi, pas forcément. C'est vraiment la foi, hein, c'est vraiment la foi. Et comment on meurt d'amour dans notre vie? À chaque instant. En mourant au monde. Oui. À nos pensées. En mourant à soi-même. À soi-même. Tu disais la Vierge à Ménard. C'est vrai. Marie, elle meurt d'amour à chaque seconde, non? Marie, oui, c'est ça. Elle vient le faire en nous si on lui demande. À la croix, sa mort d'amour était à sa quintessence, tu vois. Ouais. Et puis en ayant bien conscience que tout ça, c'est pas pour nous. Oui. Pour la vie du monde, l'humanité entière. Mmh. Tu donnes la vie à des multitudes. Genre.
Viens éclairer le cœur de chacun de tes enfants qui ont soif de toi, de tous ceux qui ne te connaissent pas. Amen. De tous ceux qui t'attendent sans le savoir. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Yeshua, Jésus, viens. Girl.